Je m'appelle Demba Diaw, je suis président du GIE Wakilare Taraba. Le GIE, on l'a formulé en 2015 et depuis lors, on est dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat agricole. Au fait, c'était seulement du jardin à domicile, un jardinage à domicile, parce que j'étais revenu du Mali pour un projet de transport. J'ai commencé mon maraîchage à la maison en attente de finaliser le projet. Et petit à petit, j'ai fait un jardin, un petit jardin, et avec un fonds de départ de 750 francs. J'ai acheté du gombo et finalement, j'ai continué, ça, j'ai pris goût dans le maraîchage. J'ai vu des résultats positifs aussi. Et l'autonomie que j'avais et le plaisir que j'avais à travailler dans le maraîchage m'a permis d'évoluer et petit à petit jusqu'à ce qu'aujourd'hui, depuis 5 ans de cela, je ne fais que le maraîchage. Et aujourd'hui, Dieu merci, je détiens une ferme agricole d'un hectare et demi où c'est une ferme intégrée. Et il y a 4 secteurs dont je suis en train de mener, c'est-à-dire le maraîchage dont vous voyez avec le piment, il y a l'arboriculture, il y a l'aviculture et la pisciculture aussi qui est en phase, Inch'Allah. Pourquoi je me suis professionnalisé dans l'agriculture? En fait, il y a plusieurs défis. C'est-à-dire, déjà, qu'à Kédougou, il y a un paradoxe qui est constant et qui est un constat ici à Kédougou. C'est-à-dire, avec toute la terre que nous avons ici, tellement fertile, parce que les gens pensent que seulement que la terre de Kédougou n'est riche qu'en or, alors qu'il y a de l'or vert à Kédougou ici, l'or vert. Et malheureusement, à Kédougou, il y a aussi une pluviométrie, c'est la plus grande pluviométrie du Sénégal, à Kédougou. Et malheureusement, on a constaté que nos légumes viennent du nord, c'est-à-dire à Dakar, là où bon, l'eau manque pratiquement, elle est même salée. La terre n'est pas aussi fertile que Kédougou. Raison pour laquelle je me suis professionnalisé dans le secteur où c'est un secteur vierge, si je peux dire ainsi, abandonné par les jeunes et qui vont dans les Djouras ou bien qui ne pensent qu'à aller à l'étranger. Alors qu'à l'étranger, ils vont trouver aussi de l'agriculture, ils vont aussi travailler. Au lieu d'aller, je préfère rester chez moi parce que je sais qu'il y a une mine d'or sous mes pieds et je peux l'exploiter et rester chez moi, être autonome, indépendant et avoir une autosuffisance alimentaire. En même temps, encourager les jeunes à ce qu'eux aussi, qu'ils suivent mon exemple et qu'ils restent chez eux, qu'ils travaillent chez eux et qu'ils développent le secteur agricole, c'est ce qui fait le développement de notre localité. Parce que personne ne viendra développer notre cher Kédougou à notre place. L'agriculture, c'est le secteur le plus rentable d'ailleurs. Vous voyez, les États-Unis, l'Europe, l'Asie, partout, tout le monde s'est développé à partir de l'agriculture. Ce qu'il y a, c'est la patience, l'effort. L'effort et la patience, c'est ce qui nous manque, et surtout les moins. L'acquisition des terres est très difficile, et les aménagements encore plus difficiles. Et en tout cas, il y a tellement de défis. J'ai perdu une année à faire la clôture, parce que sans la clôture, on ne peut rien conserver. Sans les aménagements aussi, la terre, on ne pourra pas la cultiver. À mes débuts, on disait qu'il est fou, il rentre dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, on a un constat qui est là, un constat réel, que les jeunes, de fur et à mesure, la tendance commence à changer. Les jeunes commencent à s'intéresser à l'agriculture. Et on voit partout des jeunes qui s'activent maintenant dans le secteur agricole. Et leur péage, comme vous le voyez, c'est une question de sens. Alors que l'agriculture, ça ne manque pas, la terre ne manque pas. C'est une question d'effort. Faites bon les efforts et vous aurez le résultat. Celle-là, elle fait de l'aviculture chez elle à Saint-Tirouli. Et sa grande sœur fait du maraîchage. Celle-là, c'est sa voisine. Et alhamdoulilah, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, et tout le monde se lève, prend des initiatives personnelles dans le cadre du développement pour essayer d'améliorer leur rendement. Présentement, c'est difficile de trouver des emplois. On ne peut pas rester en ville, sous les manguiers, sous les arbres, à prendre du thé, D'ailleurs, finalement, on devient délinquant. Et pour ne pas subir ces influences négatives,
L'entrepreneuriat agricole est une débouchée vraiment extraordinaire. Mes ambitions, c'est de développer l'agriculture à un tel niveau qu'à Kédougou, au lieu d'importer nos produits, nous allons même aller jusqu'à les exporter. Kédjob, vraiment, je vous remercie de cette initiative que vous avez eu à prendre, de vous aussi donner votre pierre à l'édification de notre chère région. Merci beaucoup. Je suis vraiment content de voir des Kédougouens prendre ces initiatives.